Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Science Corner. On dit c'est de tout s'abonner, cliquer, s'abonner pour activer la cloche, juste à côté pour ne pas manquer tout simplement à nos prochaines vidéos. Waouh! Vous avez eu un songe. Un songe, c'est un message divin. C'est quelque chose qui ne se passe pas comme dans les rêves où vous imaginez un truc et vous voyez les trucs. En fait, dans ce songe, vous avez vu quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Qu'est-ce que c'était? Vous avez eu dans le songe là beaucoup de fruits comme ça. Beaucoup de fruits. Et pour vous demander, qu'est-ce que ça signifie? La première question que je vais vous demander, est-ce que les fruits là sont mûrs? Est-ce que les fruits là sont mûrs? Wow! Déjà, je vous remercie déjà de chercher à comprendre la signification de vos songes. Ça, c'est très bon. Chercher à comprendre la signification de vos songes, des éléments dans tous ces détails, c'est très, 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 très bien ça. Franchement, moi, je vous kiffe, hein, tous les gars qui cherchent la vérité sur certaines choses. Franchement, bravo, les gars, bravo. Bravo, les soeurs, bravo, les frères, les soeurs, tout ça. Si vous avez eu un songe, ou dans le songe, vous avez vu ou vous avez reçu beaucoup de fruits mûrs, sachez qu'il y a une grande bénédiction qui arrive. Ça ne va pas tarder. C'est une bénédiction qui vient de Dieu même pour vous. Ça veut dire que vous allez enfin récolter, c'est-à-dire tout le travail, tout le fruit de vos mains, tout le travail que vous avez fourni là, ça va enfin porter de bons fruits. Yeah! Est-ce que ça veut dire? Tout simplement. Ça veut dire, pourquoi je vous ai posé la question de savoir, c'est lequel des fruits? Est-ce que le fruit est mûr? C'est tout simplement, quand le fruit n'est pas mûr, quand les fruits ne sont pas mûrs, ça veut dire que la période de côté là n'est pas encore venue. Ça doit encore attendre. Ça veut dire que selon le songe qu'on a, selon la signification de ce songe diffère. La signification de ce songe diffère selon les éléments qu'on a. Ça diffère selon les éléments qu'on a, selon les éléments vraiment qu'on a. Hey, le fruit là, ce n'est pas mûr. Ce n'est pas mûr. Si le fruit n'est pas mûr, c'est que le temps n'est pas encore arrivé. Tu vas récolter, hein, le temps pour que tu puisses avoir de bonnes choses, de belles choses à ta vie. Ça va bénir, mais ce n'est pas encore le temps. Mais ce n'est pas... Ça dit, c'est comme pour te dire que c'est l'espoir, le vert. Les fruits sont verts, c'est l'espoir. Voilà, il faut espérer, il faut toujours croire en Dieu. Aie la foi dans ce que tu fais, continue de toujours te travailler. Travaille toujours, ça va porter de bons fruits par la suite. Et quand on voit des fruits qui tombent d'un arbre comme ça, qu'est-ce que ça signifie? Un fruit, du genre, un fruit comme ça qui quitte là, qui tombe d'un arbre. Sachez qu'en général, quand les fruits quittent en haut sur un arbre pour tomber, c'est que c'est mûr. C'est que c'est mûr. Et que va-t-il se passer? Si tu arrives et que tu prends de ce fruit là, et que même tu l'as même mangé, ah! Ça, il faut te dire que devant toi, c'est tout des belles choses. Tu vas connaître une joie parfaite. Tu seras vraiment heureux et ce sera une bénédiction qui va venir de Dieu. Vous voyez? Quel est le sens que tu as eu là? Qu'est-ce que tu as eu? Si tu cherches la signification de ce songe, interroge Dieu. Lui, il va te donner un songe bien adapté et une signification, une interprétation bien adaptée à ce songe que tu as eu. Parce que quelqu'un va dire, bon, moi j'ai vu un fruit qui est tombé, toutes ces histoires, et qui est passé aux choses, mais on peut te donner, ça c'est la signification qu'on te donne là. C'est un peu dit que c'est standard, ça colle un peu partout. Mais il y a certaines significations qui doivent se coller avec ton songe en fonction du songe que tu as eu. Est-ce que tu vois, par exemple, voici une autre soeur qui a eu un songe, ou dans le songe là. Elle voyait deux paniers. L'un qui est rempli de fruits mûrs et l'autre qui est rempli de fruits non mûrs. Et dans les fruits qui sont mûrs là, elle a vu des bêtes qui sortaient de ces fruits là. Des bêtes. Ah! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Si elle vous pose la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que vous allez me dire? Tu vois, les fruits sont mûrs et des bêtes là qui sortent dedans. C'est pas bon signe. Ça veut dire que c'est vrai, la bénédiction là, ça va venir.
Mais il y aura des sorciers qui seront là pour intoxiquer cette bénédiction, pour ne pas te permettre d'être épanoui. Donc il faut te lever déjà là maintenant, maintenant la prière, pour commencer à les combattre, les attaquer, attaquer tous les démons qui sont là, seront à la base de ça, afin que quand le moment sera venu là, tu puisses t'épanouir ou encore faire un combat, mais pas trop fort comme ce qui t'attendait. Ah, Dieu nous révèle des choses graves. Hein. Ça veut dire, quand je vous dis que c'est en fonction du son que tu as, ça diffère. Vous comprenez là? Préparez-vous à une autre vidéo de ce type qui va sans doute vous intéresser. Abonnez-vous à cette vidéo. Laissez un like, nous faites savoir si ça vous a, si ça vous a plu. Et nous nous lancerons encore dans d'autres interprétations des rêves ou encore des songes. Rien que pour vous. Rien que pour vous! C'est parti. À bientôt. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On se revoit. Que Jésus vous garde et qu'il vous bénisse. C'est parti.